Bienvenue sur la 28e édition de Polutech. Cette année, nous fêtons les 40 ans du salon qui a été créé en 1978. Donc, Polutech est né quelques années après la création du ministère de l'Environnement. Il était tout d'abord consacré aux enjeux de traitement des pollutions, puis a largement évolué vers la prévention, la préservation pardon, de l'environnement. Et aujourd'hui, nous avons 2161 exposants engagés dans la transformation des modèles avec des sujets phares comme l'économie circulaire ou l'efficacité énergétique. Vous avez 128 nationalités rassemblées sur cet événement, c'est 73 000 participants. Tous les continents sont présents, alors avec des solutions, avec des projets. L'objectif de Polutech est de rassembler l'ensemble des filières de l'environnement et de l'énergie, mais également les acteurs économiques qui engagent justement des projets, qui investissent sur ces sujets-là pour réduire l'impact sur les ressources, sur l'environnement, sur le climat. Avec une représentation forte, bien sûr, des acteurs industriels, mais aussi des collectivités locales, des professionnels du bâtiment, du monde de l'agriculture, du monde du transport et également des acteurs des hôpitaux et de la santé qui ont des enjeux tout à fait spécifiques et qui viennent sur Polutech pour trouver des solutions. Les régions sont en responsabilité d'un plan relatif à l'économie circulaire. On a dans cette région, Auvergne-Rhône-Alpes, une chance extraordinaire. C'est que d'abord, on a des entreprises, des filières, des clusters, des réseaux qui peuvent nous permettre d'être leaders là-dessus. Au Salon Polutech aujourd'hui, on a la très grande joie de pouvoir lancer notre nouveau produit issu du programme NextRoad. Ce nouveau produit, il s'appelle Waste Vision. C'est un véritable outil d'un genre nouveau, un outil extrêmement disruptif, extrêmement innovant, qui permet d'imaginer, de jouer, de scénariser, et de regarder selon de très très nombreux critères quels sont les impacts de telle ou telle décision sur ma collecte de déchets. Alors Polutech, il faut savoir que c'est le plus gros salon de l'environnement, donc pour nous il est toujours intéressant d'y être et on s'est retrouvé parce qu'on avait la possibilité avec la nouvelle Aquitaine de pouvoir avoir un stand collectif. Donc pour nous c'est extrêmement intéressant puisqu'il y a beaucoup de synergies qui s'y passent, ça permet aux PME d'accéder à ce type de salon pour des coûts raisonnables. Et donc de pouvoir nouer des contacts, avoir des liens et développer des projets au sein d'un même stand et finalement de pouvoir accéder à l'ensemble du pavillon qui nous intéresse. Alors nous sommes là à Polutech pour présenter le Air Challenge qui adresse cette question de la qualité de l'air en ville. Donc ce challenge a été lancé il y a 12 mois sur un principe d'appel à manifestation d'intérêt et nous avons ainsi récolté un certain nombre de propositions. Nous en avons d'abord retenu 8 qui ont été accompagnées pendant 3 à 4 mois et à partir de ces 8 projets, nous avons constitué un jury avant l'été qui nous a permis d'en sélectionner 5 plus particulièrement qui viennent couvrir ces différentes questions. De la place de la voiture en ville et comment sensibiliser le conducteur sur sa propre pollution. Nous avons Météo du souffle qui vient plutôt traiter cette question du pollen qui rencontre la pollution. Donc des solutions diverses qui vont pouvoir passer à l'étape d'expérimentation sur des quartiers cibles. Donc par exemple à La Part-Dieu, à Confluence, à Villeurbanne. L'objectif d'être à Polutech d'abord, c'est d'expliquer quand même aux gens que, comme nous sommes ceux qui mettons en œuvre un certain nombre de choses qui bouleversent un petit peu le paysage, on a l'image d'être finalement les pollueurs, alors qu'en vérité, on est peut-être les gens qui avons le plus de compétences et qui travaillons depuis le plus longtemps dans ce domaine-là. On a d'ailleurs évoqué ce matin dans notre conseil d'administration la nouvelle organisation qu'on met en place pour coordonner toutes nos actions en termes de recyclage de nos sous-produits, parce que je ne veux pas parler de déchets. Ce n'est pas parce qu'on enlève de la terre qu'elle est mauvaise. Il faut peut-être la retraiter pour la remettre en place. Mais ça, on sait le faire depuis des années. Pourquoi ici Polutech? Parce que ce salon donc, mêle aujourd'hui, d'une part, les aspects environnementaux, mais de plus en plus, les aspects de transition énergétique. Donc, il est important pour nous, étant donné qu'on est sur ces thématiques, d'être présent sur un salon qui a cette aura et qui s'ouvre aussi à l'international. Et ça, c'est très important pour nous et nos adhérents.